Hey hey hey, coucou mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode des Sims médiévales, nobles et pirates. Comme vous avez pu voir dans l'introduction, j'ai craqué et j'ai débourché 4 euros et quelques pour acheter l'extension noble et pirate des Sims médiévales. Voilà, c'était pas très très cher, je me dis 4 euros, franchement ça va. Donc j'ai investi. Pour savoir où j'ai acheté le jeu, j'ai acheté sur Instant Gaming. Si vous voulez, dans la description, il y a un lien Instant Gaming et vous pouvez trouver pas mal de jeux moins chers. Et ce site est très très fiable. Il y a tout ce qui est Sims, moi je les achète là-dessus. Et je l'ai même acheté Crux dessus, j'ai même acheté From Dust dessus. J'ai acheté énormément de choses sur Instant Gaming et ça marche à tous les coups. Donc, voilà. Nous allons donc commencer une nouvelle histoire. Enfin, une nouvelle histoire, non. C'est la même histoire que t'en as toujours eu. Hôpital, médecin... Oui, on a toujours nos héros. Mais il en faudra peut-être un peu plus... non, je sais pas. En fait, je sais pas. Je pense qu'on aura un peu plus de... J'ai pas de forgeron. On aura un peu plus d'histoire, je pense. Mais au niveau des personnages, on reste à peu près la même chose. Il nous reste encore un prêtre jacobin à faire et un forgeron. Donc je pense qu'on va créer le forgeron aujourd'hui. Oh, bah dis donc, Angilbert le Camus. Angilbert le Camus, mais non, j'ai envie d'en faire un. On va créer nous-mêmes un petit... Alors ce sera un homme ce coup-ci. Ce sera un homme forgeron. Il ne sera pas roux. Non, non, non. Bah je vais modifier un peu comme je peux. Et puis je vous retrouve comme d'habitude après la création de ce nouveau Sims. Allez, c'est parti avec notre nouveau protagoniste. Et du coup, oui, c'est vrai que j'avais zappé. En fait, je voulais le faire très masculin, très homme, très viril, très cheveux noirs, par grosse barbe noire, un forgeron bien costaud. Et puis, en fait, je me suis souvenu que cette coupe de cheveux-là me faisait vachement penser aux vikings. Du coup, on est parti sur un viking blond aux yeux bleus, très clair. Il va s'appeler Ragnar, bien sûr. Et Ragnar Lothbrok, comme... Lothbrok, pas Bork. Comme dans la série Vikings, et j'adorais Ragnar. Oh, bah, tu vas voir cette voix-là. Et ce sera Ragnar que nous avons là. Et il faut lui choisir des traits. Tout. Qu'est-ce qu'on va faire? Faudrait appel de la mer. Ça reste un viking quand même. Mais... Bienveillant, elle vient, hein. En tout cas, Ragnar, il est plus aventurier. Il était plus appel de la mer. Avide, bienveillant. On va peut-être commencer par son point faible. Ennemi de la guilde faible, constitution, clouton, idiot, insomniaque, ivrogne. Trouillard, c'est pas du tout un trouillard. Faudrait que je fasse quelqu'un trouillard. Peut-être l'autre, le dernier prêtre. Il sera trouillard, le prêtre. Ce serait rigolo.
Ennemi de la guilde. D'accord. Cruel. En fait, je mets toujours un peu les mêmes choses, mais parce que... Il y en a, c'est chiant, ça correspond pas. J'ai pas fait constitution pour Ragnar, par exemple. Donc, Insomniac. Ah, ça pourrait être chiant, ça, quand même, pendant les quêtes. Hein. Ou Ivrogne. Allez, Ivrogne, parce que... Oups! Parce qu'en plus, Ivrogne, ça va bien avec les Vikings. Voilà. Et on va dire qu'il est... qu'il adore s'amuser... aventureux. Et puis, blagueur. Allez. Aventureux, blagueur et ivrogne. On est bien avec Ragnar. On est parti. Alors, nous avons créé la forge. Maintenant, nous allons chercher une quête. Pour la quête avec notre nouveau forgeron Ragnar, nous allons prendre... C'est la seule, en fait, qui propose avec ce nouveau héros. La quête fourrure. Une colonie d'abominables chinchillas s'était installée dans la forêt à la sortie de la ville. Les abominables chinchillas étaient connus pour leur extrême férocité ainsi que leur fourrure incroyablement douce. Dans les deux cas, cela signifiait que quelqu'un tuerait beaucoup de chinchillas. C'est horrible. C'est horrible et en fait, on a soit n'importe quel sim, protestation... Bon, logiquement, je devrais faire ça, mais... Voilà, parce que c'est la seule quête avec le forgeron, je vais faire ça, c'est un piège. La menace des abominables chinchillas devait bien sûr être éliminée, mais il y avait-il une solution plus astucieuse? Un moyen de les faire partir sans risquer la vie de quiconque? Ah, ça c'est bien ça. Alors, les chinchillas ne peuvent pas résister à de si bons pièges. On va voir ça avec Ragnar. On commence. Une colonie d'abominables chinchillas faisait des ravages aux abords de la ville. Les chasseurs avaient risqué leur vie en vain pour tenter de débarrasser la forêt de ces dangereuses créatures. Seul le forgeron de la ville se rendit compte qu'envoyer de délicats et délicieux humains en pâture à ces petites machines de destruction poilues n'avait aucun sens. Il est de mon devoir d'utiliser mes compétences supérieures en fabrication pour mettre fin à cette folie, dit-il. Très bien, Ragnar. Ragnar, tu dois faire quoi ? Fabriquer 5 pièges. D'accord. Alors, c'est où? C'est quoi? C'est ça? Forger. D'accord, on va voir ça. Ah! Morsure glacée. Ah, super! Lame des voiles noires. Piège. Ça. Une pièce basique. Basique. Bah, tu vas me faire un petit piège. Ok. Votre cime de... Non, on s'en fout. On va voir ça. Ragnar ? Pas mal. J'aime bien l'animation. Oula. Ah, je suis tellement près de lui. Je peux pas faire mieux. Bon, c'est pas grave. Oh. On va voir d'ici ce que ça donne. Mais tu mets du temps à faire un petit piège, mon petit. Allez, on va accélérer un peu. Ah ouais, c'est long quand même. Après beaucoup de travail acharné, Ragnar, le compagnon forgeron, a réussi un objet piège d'une qualité normale. Il a été placé dans l'inventaire de Ragnar. D'accord. Et il est fatigué. Il est... Ah, il est minuit. Tu vas juste m'en faire un deuxième. Et puis tu pourras être couché. Ah bon, bah il a pas fini. J'étais l'objet... Continue à fabriquer l'objet. Ok, bah on continuera quand il sera debout. Au début de votre rêve, vous vous trouviez dans la taverne, en train de boire. Vous avez demandé qu'un peu de musique soit jouée pour égayer la soirée. Étrangement, deux bardes célèbres sont apparus et ont commencé à chanter en même temps. Le premier, Andrew Delisle, le manieur de mots, chantait une histoire paillarde et comiquement ironique à propos de la luxure. Le deuxième, Bichael Moltin, le chanteur de charme, chantait une ballade enjoué sur les aventures d'une bande de pirates.
Les deux troubadours refusaient de s'arrêter. Vous deviez choisir la chanson. La nuit fait que commencer, cet endroit de lui me fera toujours rire, écoutons sa chanson. Un peu de bon temps, Mikhail Moltin, c'est qu'il n'y a aucun doute, genre de... on s'en fout. Alors, ah super, cette chanson était hilarante. Vous ne vous souvenez pas des paroles, mais le refrain était grivois et ridicule. Il était question de faire crac-crac dans une boîte. Vous êtes réveillé en riant et de bonne humeur, a reçu l'état d'esprit chanson agréable en tête. Oh tiens, nous avons le commandant Aegon. Aegon-le, commandant. Et bien sûr, je n'arrive pas à me diriger. Parce que là, il tourne le dos, je voudrais juste le voir. Voilà, coucou Aegon. La nuit a été longue, courte. Ah, beau gosse, tu es beau Aegon, hein, tu es beau. Bref, on va attendre de voir voilà, que Ragnar se lève quand même. Mais il a faim maintenant. Bon, lève-toi, mec. Tu vas te faire un super gruau de la mort, là. Une pâte visqueuse bouillie. Ration militaire, vas-y alors. Je pensais qu'il allait faire son gruau. T'as mangé? Il a mangé? Mais... Non? Ah. Ration militaire, impossible de vendre. Ah, bah c'est pas pour manger. Fais ton gruau alors, voilà. Moi bon, on en prend tous les jours, hein. Selon le Sims, il a des spécificités. Tu vas continuer à fabriquer l'objet. Vas-y, mon beau. Fais voir tes biscottos. Oh, attendez, là, attendez. Ah, cette tête. Le compagnon forgeron. Regardez-moi ça. Ouais, je prends des photos. Pour ma miniature, vous avez l'habitude. Hein. Qu'est-ce qu'il se passe? Il y avait un gardien de cochon. Le sorcier protecteur. Ah ouais, je suis sûre qu'on va devoir affaire à lui. Après beaucoup de travail, qualité normale. Ok. Il va... Ah bon, il va pisser, lui. Bah, ils vont jamais pisser, mes Sims. Allez, tu vas forger encore. Un piège? Ça va être long, hein, mais il faut qu'il les fasse. Hein. Réparer et livrer le truc brisé. Ah, c'est ça? Attendez. Consulter l'inventaire. Voilà, on va le faire tout de suite. Attendez. Que je comprenne comment ça fonctionne. C'est toujours un peu compliqué. Oui, bah, et je voudrais mettre ça dans la forge. Non, c'est pas là, en fait. Forger. Épée réparée. Ah! Punaise, il faut comprendre comment ça fonctionne à chaque fois. Hein. Voilà, ça, il aura fait un truc. Et après, c'est fabriquer, livrer le bâton de base. D'accord, on fera après. Par contre, c'est long, hein, la vache. Après beaucoup de travail, Ragnar et le compagnon forgeron a réussi un objet épée réparé d'une qualité normale. Ok, et il faut la donner livrer l'épée. Le garde a apprécié ma rapidité et m'a donné 25 simples en récompense de mon efficacité. Ok, et tu vas forger. Voilà, et ça, je dois faire le bâton, je sais pas quoi, là. Ah, je peux faire beaucoup de choses. Hein. Bâton de base, il disait. Mais j'ai pas de bâton de base. Bon, tu vas faire un piège. Le temps que je sache ce que c'est. J'ai un amateur que je dois rencontrer à Smortly. M'a commandé un bâton de base. C'est lui? Je comprends pas. Ça commence bien et je comprends pas ce qu'il faut faire, moi. Arrête de papoter. Tu dois encore faire un piège. C'est cinquième, c'est bon. Mais le bâton, là, je sais pas ce que c'est. Hein. C'est lui qu'il faut que je... Que je dois rencontrer à Smortly. C'est-à-dire qu'il doit aller quelque part?
Je vais voir ça. Le quai, il est là. Partir à l'aventure. On va bien voir ce que ça donne, hein. C'est pas ça, c'est pas ça. Hein. Mais il a pas fini son piège, cet idiot! Oh là là! On est bien parti pour l'aventure, nous, hein. D'accord, bon, c'était pas du tout ça. C'est pas grave. La mer regorge d'aventures. Oui, d'accord. Rentre chez toi. Ça commence bien. Je sais pas comment on gère le sim. Ok. Toi, amical. Maison. Très. Non, mais. Théobald est amical. Continue à faire l'objet qu'on avance dans la quéquette, hein. Tant pis, c'est pas tu fais pas le truc. Hein. Voilà, il a négligé sa responsabilité. Bon, mais continue l'objet, mec. Arrête de parler à Ada, elle est partout, elle. Non, tu continues. Ah, putain. Oh, il me casse les burnes, celui-là. Tu vas manger, allez. Un bon petit gruau des familles. Ouais. Tu vas refaire ton objet. Punaise! Allez, Ragnar. Il a besoin d'un verre. T'as besoin d'un verre. On n'a pas de... Il n'y a rien pour boire ici. Alors, les pièges sont fabriqués, mais doivent encore être posés, et je ne tiens pas vraiment à m'aventurer dans les bois. Discuter du trappeur. Donc, tu vas te coucher. Ouais, t'as raison. Va dormir. T'as pas fait grand chose, à mon avis, il est complicado celui-là à faire aller. Hein. Oui, je sais, Qui-Gon et Shavaris, on va savoir. Allez, tu peux te lever, tu vas faire à manger. Pas de visqueuse bouillie. Mange. Ok, tu dois préparer. La barque du pirate. Fabriquer et livrer une longue épée rudimentaire. Tu vas faire déjà ça. Une longue épée. Rudimentaire. Oh, il faut du crudium. Oh là là, il va falloir qu'on tape dans les rochers. Bon, c'est pas grave, on va y aller. Hein. Il y en a partout, de toute façon. Vache. Mais pas plus loin. La fameuse forêt, où on va toujours. De l'azurite, mais ça, c'est pas très très grave. Ce sont des pièges de grande qualité, bien meilleurs que ma camelote de Fabrimont. Vous savez quoi? Je vais poser et récupérer ces pièges pour vous gratuitement si vous me les laissez, les chiens Chila. Si vous me laissez les chiens Chila pour que je prenne leur fourrure. Mais c'est dégueulasse! Ah, il y a déjà du crudium x3. Oh, nickel. Tu dois. Donnez les pièges à Géant. Tiens, donne les pièges. Voilà, très bien Ragnar. Donnez-moi le temps d'installer puis de récupérer les pièges. Je viendrai vous voir à la forge dans quelques heures. Cool, et ben nous, on va aller récupérer des trucs. Hé, hey, regardez, il y a des oiseaux. Oh, la belle nuée d'oiseaux. C'est très très beau. C'est très très beau, c'est les oiseaux. Ah non, c'est pas une pierre qu'on peut dire ça, ça. Tu peux découvrir ça. Il est ramassé, ça tu ramasses, ça tu ramasses. Du mitral, ça c'est parfait pour les armures, ça. Et tu vas découvrir ça. Des pierres brillantes, du quartz. Tu as découvert quoi? Non. Tu vas récupérer ça. Hop. Bon, je pense qu'on est bien. Allez, pour l'instant, tu rentres. On fera les courses plus tard. Oh bah y a du monde. J'aurai l'air bête si le trappeur revient et que je n'ai aucun endroit où mettre les chinchillas. Donc ça veut dire en gros tu dois créer deux pièges. Hein. Allez, on va refaire. J'ai des pièges. Tu vas faire. Ah, il y a quand même vachement plus de choses à faire. Hein.
Tu vas faire un piège. Après, on va faire l'épée. Non, la barque du pirate. Comment je peux faire ça, moi? Ah, c'est ça. Oui, alors, mec, tu veux faire quoi? Arrête de vouloir l'épicer. Forger. Et du coup... Ça doit être là-dedans. Barque réparée. Minerai de fer. Tu vas me faire un deuxième piège. Il faut du minerai de fer. Ok. Alors, Fred ira découvrir ça. Ramasser ça. Minerai de fer. Ah bah c'est bon. Mais il finit pas hein, ce que je lui demande de faire. Hein. C'est incroyable. Hein. Je peux voir à l'intérieur. Merci. Continue à fabriquer l'objet. Lui, il a pris exemple sur les Sims 4. Hein. Je lui demande de faire un truc, il le finit pas. Après, rentrer le charbon, chauffe métal. Forger. Oui, mais on va faire la barque avant. Attends, allez, barque. Allez, hop. Alors, écoutez, avez-vous pièges? Bon, il y a une faute. Vous avez volé des belles fourrures, vrais chasseurs. À savoir, nous, vous allez devoir nous donner de l'argent, beaucoup d'argent, pour des fourrures que nous n'aurons pas à cause de vous. Nous reviendrons vous voir bientôt. J'arrive pas à parler. Oh, oh, on dirait que j'ai mis en colère les chasseurs envoyés pour tuer les chinchillas. Ils n'ont pas l'air de plaisanter et je dois trouver un moyen de les calmer. Ouais, on va les mettre dans un piège aussi. Oui, Ragnar, a réparé la barque, tu vas aller lui donner tout de suite. Putain. Vas-y, tu vas nettoyer après ça. Au moins ça te fait. Il a faim. Oh, t'as faim, mon petit. Vas-y, mange. Mange ton petit gruau. Ah, et donc, t'as fini de manger, tu vas forger. C'est une longue épée rudimentaire. Allez, longue épée rudimentaire. Ça. Go. Voilà. Oh là là. Ragnar, vos pièges ont vraiment bien fonctionné. Regardez, j'ai deux de ces monstres pour vous. Faites-en ce que vous voulez. Par l'observateur. Oh, attendez. Ces créatures sont extrêmement agressives. Cela me donne une idée. Et on a atteint le niveau 2 de la profession forgeron. Et ça, c'est cool. Je sais pas si on aura le temps. Oui, c'est bon. Il faut qu'il la livre maintenant. Vas-y, mon petit. Je crois en toi. I believe in you. Oui! Ça y est, j'ai réussi les quêtes journalières, c'est cool. Les responsabilités. Alors, tu vas peut-être aller te coucher. Hop, dodo. Il faudra que tu fasses. Comment les chinchillas en cage peuvent aider Ragnar, le compagnon forgeron? Je peux vendre les chinchillas pour rembourser ma dette aux chasseurs. Ces trucs sont meilleurs que n'importe quel chien de garde. Je vais menacer les chasseurs. Pff. En fait, je suis contre les chasseurs. J'aimerais pas qu'on utilise leur fourrure. Et en même temps, c'est horrible d'utiliser les chinchillas comme chien de garde. Parce que si je les vends, ils vont les tuer. Donc on va tenter le diable. Personne ne va m'embêter si j'ai des monstres avec moi. Il est temps de dire à ces chasseurs d'aller voir ailleurs si j'y suis. Menacer Madoc, le chef des chasseurs, de le tuer avec un chinchilla. Bon sang, il y a tout à coup 3 chinchillas? Comment est-ce possible? Ils sont dans des cages séparées. Oh putain! Ils se reproduisent avec eux-mêmes, les chinchillas. Mais non, quoi. Trop drôle. Ah! Alors, tu vas me faire un petit gruau. Voilà. Pour bien commencer la journée. Nana, tu manges. Fais pas ton difficile, Ragnar. Et tu vas menacer de tuer avec un chinchilla. Tu vas voir mon chien. Mon chinchilla. Par l'observateur, c'est un abominable chinchilla. Bien, bien, nous allons vous laisser tranquille. Vous avez bien de... Ah, pardon, j'ai oublié mon accent. Par l'observateur, c'est un abominable chinchilla. Et bien, bien, nous allons vous laisser tranquille. Ouais, je sais plus déjà le faire, parce que pff, ça devient grave. Vous aviez de bien plus gros problèmes que les chasseurs, désormais. Bonne chance. Ah, merde. Discuter de la vente de chinchilla avec Jeanne, le trappeur.
Ok. Allez, go. Il doit parler du mythe de la reproduction rapide des chinchillas. Je ferais mieux de me débarrasser de ces trucs avant de vivre ma propre catastrophe chinchillesque. Mais qui pourrait vouloir les acheter? Vous voulez déjà les vendre, hein? C'est une bonne décision. J'ai vendu le mien à un amateur de chinchillas près des quais. Si vous vous dépêchez, vous pourrez peut-être encore le trouver là-bas. Discuter des chinchillas. Allez, Ragnar. Ah, une nouvelle responsabilité. Alors, partons. Je vais juste regarder bien comme ça. Qu'il est beau. Mordant le vieux chasseur. Alors, plus de chinchillas, fantastique. J'allais justement noyer cela. Oh, vous ne le saviez pas? Oui, je tue les chinchillas. Il y a les moyens plus humains de le faire, mais ce serait beaucoup moins amusant. Je paye 106 blouses par chinchilla, ça vous intéresse? Oh, c'est horrible! Ah, même ces créatures ne méritent pas un tel destin, je vais les relâcher dans la forêt. C'est-à-dire qu'en gros, j'ai pas la quête, j'aide rien du tout, quoi. Je retourne. Oh, la tête qui fait. Je refais la même chose. Je vais libérer ces bestioles dans la forêt, j'en aurai terminé avec ça. Bah oui, est-ce qu'il va rien faire d'intéressant? Je veux dire. Libérer chinchilla dans la forêt. On va donc aller dans la forêt. Qui est? La forêt, c'est là-bas. Go. Disons que je reviens au point de départ, ça que je voulais dire. Je ne sais plus parler. Est-ce que j'ai su un jour parler? Je ne sais pas. Alors, partir à l'aventure, libérer les chinchillas. J'aimerais bien les voir, moi, les bébêtes. On te suit, Ragnar. Hein? Ah, ben non, il a disparu. Fichtre. On va accélérer le temps. Hein. Alors? J'espère que je ne regretterai pas cette bonne action. Bah. Je suis pas sûre. Ah, bah si, on a fini la quéquette. Ah, bah c'était rapide. Vous avez terminé la quête avec le niveau or. Beau travail, fourrure. Curieusement, piéger les chinchillas avait été la partie la plus facile. Par contre, décider de ce qu'il fallait en faire fut un vrai défi. Et se mettre d'accord avec la guilde des chasseurs avait été extrêmement difficile. Au moins, Ragnar, le compagnon forgeron, avait une solution toute prête si jamais les abominables chinchillas revenaient un jour. Et on a déjà atteint le niveau 3 de la profession. Mais voilà, la première quête de Ragnar le Forgeron est déjà terminée. Et moi, je vais vous laisser ici pour cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu. Et j'espère, vu que j'ai l'extension maintenant, Nobles et Pirates, qu'on aura un peu plus d'action. Après, je pense malheureusement qu'il faudra changer de royaume et refaire des personnages. Faut vraiment que je me renseigne là-dessus. Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'on recommence les quêtes depuis le départ, sans qu'on change de royaume, qu'on avance en fait dans le cercle qu'il y a au tout début. Et bon, j'aimerais, ça m'embête parce que j'aime bien mes personnages et j'aimerais les garder, mais c'est pas grave. S'il faut qu'on continue avec un autre des autres personnages, vous me le dites si ça vous dit de recommencer pour avancer ou pas. Mais voilà, sinon les Sims médiévales, on va arrêter assez rapidement quoi. Allez, moi je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour la suite des Sims médiévales ou d'autres choses. Allez, salut!